Les frappes derrière la tête, le problème c'est que dans, dans le jargon de la boxe, on l'appelle le rabbit punch, le coup du lapin. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ce coup, il est strictement interdit. Pourquoi Parce qu'on peut devenir paralysé ou mourir. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Si tu regardes dans, dans, dans Wikipédia ou dans le dictionnaire, tu, tu tapes sur Google "rabbit punch". Dans la définition, ils disent que tu peux mourir ou devenir paralysé. Il y a eu des exemples en, en boxe anglaise. Il y a eu baguette. des exemples en boxe anglaise. Il y en a eu. Il y a, il y a un exemple en particulier que moi je retiens et, euh, et qui m'a fait pleurer. Hein. D'ailleurs, quand j'ai quand j'ai vu, je me suis plus intéressé à ce cas-là. C'est le cas de de prischar colon qui qui euh, qui a combattu. Qui s'est pris des frappes derrière la tête, des coups de poing avec du 8-ose. C'est des gants du de 8 en anglaise. On est, on est loin d'un coup de coude derrière la tête, mais très très loin. Des gants protégés, comparés à la pointe du coude, c'est autre chose. C'est vrai. Le coup de coude derrière la tête, c'est ce que je, moi j'appelle une tentative de meurtre. Tout simplement, une tentative de meurtre. Un coup avec le gant protégé, Prichard Collon, le problème c'est qu'il s'en est pris un d'abord derrière la tête, il s'est plaint à l'arbitre. L'arbitre n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il s'en est repris un autre, il n'a il a rien dit encore. Et euh, si tu veux, dans ce combat-là, Prichard colon contre Terrell Williams, il me semble, euh, à aucun moment du combat, l'arbitre n'a pénalisé Terrell Williams. Même pas un seul point de pénalité, même pas. Il pensait peut-être que, que c'était du fake ou comme ça, hein, parce que souvent, tu en as qui se okay. plaignent parce qu'ils veulent jouer un petit peu avec l'arbitre, ils essayent de l'influencer. ça peut lui échapper justement à l'œil à l'arbitre, je ne pense pas, ou sinon il n'est pas à sa place. Sinon, il n'a pas l'œil expérimenté. D'ailleurs, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, euh, le, le, un arbitre, comment il voit les choses. Okay Juste après, je, je, je te le dirai. Ben, si tu veux, dans un cas comme celui-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Prichard colon il s'est plaint de, des frappes derrière la tête qui étaient évidentes. C'était visible. C'est-à-dire que les spectateurs, moi qui ai vu le combat en vidéo, hein, je le vois. Donc euh, l'arbitre qui est supposé être le mieux placé à avoir la meilleure visibilité, c'est forcément qu'il l'a vu. Mais après, est-ce qu'il a eu on va dire le courage de faire le nécessaire, c'est-à-dire envoyer au coin neutre, pénaliser. Est-ce qu'il a eu le courage de le faire Non, il ne l'a pas fait. Au final, Richard colomb qu'est-ce qu'il a eu À la fin du combat, bah déjà, il n'a pas fini le combat parce qu'il pensait que le combat était terminé au 9e round il pensait que c'était le dixième. Il a commencé à couper ses gants et s'est fait disqualifier. Euh, tellement c'était un fardeau pour lui de continuer le combat. Au final, qu'est-ce qui s'est passé Là où l'arbitre ne l'a pas cru, qui s'était pris des frappes derrière la tête et que le médecin avait validé, hein. il a regardé il a dit non, non, il peut reprendre le combat. Euh, et eh ben, il l'a validé, il est tombé dans les pommes, enfin il s'est évanoui dans, dans les vestiaires, il est tombé dans le coma pour 221 jours. T'imagines, 221 jours, et aujourd'hui c'est devenu un légume. À son réveil, mmh. c'est devenu un légume. Alors si tu veux, moi en tant qu'arbitre, euh, jamais de la vie j'aimerais avoir la responsabilité qu'un un athlète que je reçois dans mon combat, que je, vais, que je, je suis garant de son, sa sécurité, qui repartira sur une civière de cette manière, jamais de la vie. Donc je vais être hyper strict avec ça. Maintenant, le truc, c'est que les frappes derrière la tête, c'est ça, le problème. C'est que, si tu veux, dans le règlement de MMA, il y a 28 techniques illégales, 28 interdictions. Tenir la cage, mettre les doigts par elle et le sol en face des yeux, tenir le short, insulter, euh, cracher son protège dans. Tu en as 28. Le si, voilà, ouais, le coup de tête aussi. C'est ça, c'est ça. ça. Mais, euh, voilà. Mais si tu veux, dans ces 28 techniques illégales, elles sont tous punissables d'un point. Ou deux points... S'il y a une blessure causée à cause de, de la technique illégale. Mais pour moi, dans ces 28 ill techniques illégales, j'espère hein, qu'un jour que le règlement il va être revu et tout, et tout, je veux dire par des commissions athlétiques, hein, euh, pas par euh, la Fédération française euh, qui sera, à mon avis, peut-être d'accord avec moi. Mais je pense que sur ces 28 euh, techniques illégales, il y en a deux qui devraient être considérées comme des tentatives de meurtre. Deux. Frappe derrière la tête et ce qu'on appelle le spike. Le spike, c'est projection directement sur la tête mmh. ou sur la nuque, sans lui laisser le choix de tomber autrement que sur la tête ou sur la nuque. En mmh. gros, c'est ce qu'ils font dans le catch, Undertaker, tout ça, tu sais, mmh. quand ils te coincent la tête, sauf que c'est des comédiens. C'est des, des comédiens. Mais cette technique, elle est réalisable. Il y a d'ailleurs des enfants qui sont devenus handicapés. Hein. Tu sais, il y a eu Pendant un moment, il y avait l'influence du catch du dans catch les écoles bien. et tout. Mmh. Il y a eu des gros problèmes. Donc, si tu veux, pour moi, ces deux techniques-là devrait être traité à part des autres ouais. techniques illégales. Parce que ce n'est pas le même degré de choses. Ouais, je suis. Entretenir ouais. la cage et, euh, et que là, tu te prends un point de pénalité et l'autre qui met un coup de coude derrière la tête et là, il a un point de pénalité, mais il est mort. Et il y a une différence, tu vois, c'est c'est ouais. je, je pense que ça, je comprends. Voilà, ouais. je, je pense qu'il y a des choses qui devraient être requalifiées comme tentative de meurtre, surtout quand il s'agit d'un coup de coude derrière la tête en 12 à 6. Euh, pour moi, c'est trois infractions ouais. cumulées. Frappe derrière la tête, coup de coup de 12 à 6 et euh, conduite antisportive entraînant une blessure. Pourquoi Parce que si par exemple tu mets ce genre de technique sur quelqu'un qui est en train de te ramasser les jambes, donc il, il t'a attrapé le centre de gravité, il a fait un travail quand même pour aller pour attraper les jambes, il est en train de travailler pour le take down, il y est presque. Hein, il, si tu triches pour casser mmh. sa tentative de take c'est une conduite antisportive. Parce que tu es en train d'utiliser une technique qui n'est pas d'école pour l'empêcher de travailler lui qui travaille proprement. Donc si tu veux, un, un cas comme celui-là, c'est trois, euh, trois infractions euh, cumulées. Très dangereux. Et moi je, je pense, hein, excuse-moi. Mais je pense que, tu sais, quand on, on est face à face, l'arbitre vient t'expliquer la règle, il dit pas de coup d'arrêt. Il t'explique vite fait, il te, le, il te le jette comme ça. Mais toi, tu es tellement dans le, dans le truc que t'aperçois vite fait des mots. Moi je trouve que c'est... Il, il devrait vraiment s'arrêter et t'expliquer que ça c'est interdit parce que tu peux mettre quelqu'un, voilà, tu, tu peux handicaper quelqu'un, tu veux quelqu'un, tu vois. Ouais. Alors que quand on te lance comme ça, comme ça, oui, t'as droit à ça, t'as pas droit à ça, t'as pas droit à ça, t'as pas droit, à ça, t as pas droit à ça, on t'énumère plein de choses. Et tu fais pas attention, toi, t'es dans ton combat, t'es dans ton truc, tu vois. Et le combattant, qui est au sol, des fois, bah, il, pour s'en sortir, tu vois, il serait prêt à faire n'importe quoi sans vraiment réfléchir. Alors que si en amont, on t'a vraiment précisé, on t'a vraiment dit attention, ces trucs-là où il y a des amendes, où je sais pas, comme t'as dit, ouais. ça va te punir, ça, ouais. tu vois. Ça, ça pour moi, ça devrait être puni vraiment par, par la justice, hein. c'est-à-dire c'est une tentative de meurtre ou une tentative en tout cas de, voilà. de, de nuire à, à quelqu'un parce oui. que c'est une règle qui est interdite en sport, oui. mais je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé par rapport à ça. Qui est au même titre que tenir le grillage ou insulter, oui. ça par contre, tu peux tuer quelqu'un sur le spike ou sur les frappes derrière la tête. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si. si un jour, il y a un organisme ou quelqu'un qui veut que je fasse une formation pour tous les athlètes, les coachs, les sensibiliser sur des choses comme ça, ça leur permettra à la fois de, de savoir quel risque ça a, de frapper derrière la tête, mais en plus, ça leur permettra de travailler proprement. Mmh. C'est-à-dire que le, le problème de ça, c'est quoi C'est que, par exemple, Djibril en tant que combattant, Admettons que, comme il a dit, quand tu es dans le combat, des fois tu ne réalises pas et tout et tout. Admettons qu'il va, il va mettre un coup de coude derrière la tête de son adversaire et le mec, après, il est mort ou comme ça. Bah, lui, toute sa vie, elle est foutue aussi parce qu'il va avoir sur la conscience. Et l'arbitre aussi parce que, si tu veux, pourquoi je te dis que ça, ça devrait être, euh, on devrait menacer ça de, de peine de judiciaire Parce que euh, le problème, il est que quand le coup, il est parti. Tu ne peux plus faire marche arrière, c'est irréversible. C'est-à-dire si le mec il a des, des dommages à la boîte d'épinière ou quelque chose comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est réparable. C'est-à-dire que par exemple un combattant, il va prendre l'adversaire pour lui faire un spike, donc pour lui faire une projection directement sur la nuque. Moi en tant qu'arbitre, je ne peux pas l'arrêter avant l'impact au sol. Il va me dire Ah mais non, j'allais pas le mettre sur la tête. Il va me dire ça. Mais je ne peux pas non plus attendre qu'il le mette la tête au sol. Parce que même si je le pénalise ou je le disqualifie, c'est trop tard, le mec est part sur une civière. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, en fait, il faut vraiment sensibiliser les gens sur ça et mettre des mesures disciplinaires qui sont autres que les, 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 les autres techniques illégales. Vraiment. Parce que ce sont des techniques illégales au même titre que les 26 autres. Donc, qui est insulté, craché son protège -dans, etc. Mais en termes de, de séquelles, ce ne pas les mêmes séquelles du tout. Même, je dirais même que tu vois, dans, dans toutes ces techniques illégales, je même pas inclus les doigts dans les yeux ou les doigts comme ça. Parce que même un œil, tu perds un œil sur un combat, c'est pas grave. Tu, tu deviens borne, ok, c'est triste, c'est très très handicapant, mais c'est pas comme euh, finir ta vie comme prichard Cologne, il, il a fini sa vie. Et là, il est en pleine souffrance, ça coûte à ses parents, tout ça, il est encore vivant, mais il, a, il est en train de se décomposer et tout. Et ça, si tu veux, même son, a, son adversaire, hein, euh, Terrell Williams, si tu regardes le combat, eh ben au moment où. Parce qu'à un moment donné, prichard Cologne, il a, il a mis un coup dans la coquille, parce qu'il s'est dit ah, ben, si l'arbitre il dit rien, moi aussi je vais tricher. Et eh ben il l'a menacé de mort. Il lui faisait ça avec son gant, il lui faisait Ouais je vais te tuer Donc t'imagines, l'arbitre il voit ça, il l'a pas pénalisé, et qu'au final ça finit par le mec qui est handicapé à vie et tout, c'est catastrophique.